Bon, bonjour Marc-Olivier, donc Marc-Olivier Point, qui va être un des artistes présents sur le Music Festival du mois de juillet. Et donc Marc-Olivier, là, tu nous as déjà régalé parce que tu nous as fait écouter deux morceaux, dont un avec une interprétation particulière. Et donc voilà, je voulais d'abord te féliciter parce que ça a été vraiment bien accueilli pour la conférence de presse. Bon alors Marc-Olivier, en deux mots, présente-toi s'il te plaît. Alors bonjour, je m'appelle Marc-Olivier Point, je suis pianiste et compositeur. Je suis originaire d'Agen, j'ai étudié au Conservatoire de Bordeaux, puis au Pôle Sud de Bordeaux, et puis l'année dernière j'ai été diplômé de la prestigieuse école Berklee College of Music. C'est ça, oui. Entre temps j'ai gagné plusieurs prix internationaux de piano et de jazz, et je suis ravi de venir au festival cette année. Alors tu étais déjà venu ? Alors je suis venu dans le cadre de la compétition, où j'ai obtenu le prix Liège-Cap-Ferré avec un trio de musique classique. Ah, oui, d'accord. Et puis j'étais venu aussi l'année dernière jouer avec mon trio de jazz cette fois-ci. D'accord. À la salle La Forestière pour un concert pendant le confinement. Alors moi ce que j'ai aimé dans ce que tu disais, ce que j'ai écouté, c'est qu'en fait toi tu n'es pas du style à vouloir séparer en fait les types de musique, et tu disais que voilà, toi, une de tes ambitions en fait finalement c'est de réunir en fait que ce soit à la fois le jazz ou le classique pur en fait dans ce que tu interprètes. Alors c'est exactement ça, c'est plus qu'une ambition parce que c'est vraiment, c'est une réalité, c'est mon identité musicale, c'est ça, parce que moi j'ai commencé le piano très tôt à 3 ans avec l'improvisation et la musique classique en même temps, j'ai jamais abandonné l'un pour l'autre et j'ai jamais voulu faire de choix, j'ai toujours voulu suivre les deux chemins et je me suis toujours amusé à trouver des liens, des passerelles, d'oscillés entre le jazz, le classique, les musiques improvisées. C'est chouette parce que j'ai enregistré une partie de ton petit concert là, et vous pourrez vraiment constater la réalité des choses. Dernier point, Marc-Olivier, tu sais où est-ce que tu vas jouer ? Ce sera l'église de Cap-Ferré avec Béatrice Uriah Monzón dans un récital de musique espagnole avec cet immense monument du chant français. Merci Marc-Olivier, puis on va te laisser parce que je crois que t'as un avion bientôt, c'est ça ?